Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur le président de la Polynésie française, Monsieur le haut-commissaire de la République, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le président de la Commission permanente, Monsieur le vice-président de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est une assemblée très heureuse de l'honneur que vous lui faites d'avoir accepté de venir à sa rencontre, Monsieur le ministre, et de vous exprimer au sein de cet hémicycle sur la situation de notre pays que vous rencontrerez donc aujourd'hui encore. Depuis longtemps déjà, nous attendons votre visite pour que vous puissiez toucher du doigt et constater de visu la réalité calamiteuse de la situation budgétaire, économique et sociale que nous avons découverte lors de notre accession à la gouvernance des affaires du pays. Nous étions tous impatients de votre venue pour parvenir à dégager en commun des pistes de redressement durable d'une Polynésie qui, à l'occasion des dernières élections générales, a fait clairement le choix de demeurer française. Bien sûr, nous comprenons parfaitement, Monsieur le ministre, les motifs familiaux qui vous ont fait écourter votre précédente venue chez nous. Tous les Polynésiens, soyez-en rassurés, se sentent associés à votre deuil du moment. Aussi, vous comprendrez que nous ne pouvons que condamner fermement les déclarations de nos collègues de l'Assemblée de l'UPLD et en particulier celles de son leader, Oscar Temaru, lorsqu'il vous fait injonction, et je le cite, de vous occuper des Guadeloupéens plutôt que de venir en Polynésie française. Ces propos, Monsieur le ministre, à notre sens, sont une insulte à l'égard de votre personne et un mépris de vos fonctions de ministre de la République. Ce n'est pas digne d'un responsable politique polynésien qui se plaît pourtant à parler de l'hospitalité polynésienne. Aussi, Monsieur le ministre, réellement, du fond du cœur, je voudrais, au nom de tous mes collègues de cette assemblée ici présents, vous exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude pour avoir pris sur votre temps précieux pour venir jusqu'à nous, bravant les propos hostiles à votre encontre. Il reste que vous voilà, et qu'au terme proche de votre séjour, vous avez été en situation de percevoir, au gré de vos rencontres et de vos visites dans les archipels, à Makemo, à Bora Bora, ici même, à la fois toutes nos potentialités de développement et tout ce qui contribue actuellement à l'entraver, à l'handicaper, voire à l'interdire. La nouvelle majorité issue des urnes n'a pris qu'un engagement de campagne, celui de tout faire pour retrouver la voie du développement, la voie de la croissance, de la résorption du chômage, de l'équilibre des comptes publics, en ce compris nos comptes sociaux. Depuis l'installation de notre majorité, notre détermination, assemblée comme gouvernement, est totale de remplir cet engagement et de mettre en œuvre une stratégie réfléchie de redressement puis de développement. Cependant, 10 ans d'instabilité politique, d'erreurs et de mauvaise gestion ont laissé la Polynésie française financièrement exsangue, en perte de perspective, démotivée, désorganisée, doutant qu'elle a encore un avenir pour elle-même et pour la République. Face à cela, les attentes des Polynésiens sont à la hauteur de l'acuité et de la gravité de la situation. Ils sont prêts à faire les efforts qui conviennent pour la redresser, ainsi qu'ils l'ont témoigné dernièrement en acceptant de faire un important effort fiscal pour commencer à rétablir l'équilibre de notre budget. Ce faisant, Monsieur le ministre, ils ont démontré qu'ils étaient prêts eux-mêmes à prendre leurs responsabilités et à se prendre en charge pour se sortir des difficultés conformément à l'esprit de l'autonomie. Cependant, et vous l'avez déjà montré en acceptant de défendre notre demande d'avance, l'effort des Polynésiens est insuffisant à soi seul. Il doit être conforté par un nouvel appui en provenance de l'État. Les domaines qui souffrent à cet égard d'une réelle urgence
sont connues la solidarité, l'éducation, le développement économique, la modernisation et la rationalisation de notre administration et du service public. Ayant appris à vous côtoyer, Monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, je sais votre sens des responsabilités, votre sens du devoir, votre volonté de bien faire pour l'ensemble de l'outre-mer, au-delà même de nos différences politiques. Je compte sur la grandeur de votre conscience républicaine à soutenir l'une quelconque des collectivités de la République dans la difficulté. La Polynésie fait indubitablement aujourd'hui partie de ce nombre. Oui, Monsieur le ministre, nous savons pouvoir compter sur le soutien de l'État. Votre soutien ne sera plein et entier que si vous nous faites également confiance. La Polynésie française a besoin du coup de pouce de l'État. La Polynésie française a besoin de la solidarité de l'État pour se remettre sur de bons rails. Puissiez-vous répondre à notre requête. Je vous remercie. Je remercie de votre attention. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le député Édouard Fritsch, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur Gaston Flos, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres et représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, et j'ai cru comprendre, Monsieur le Président, que le vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est ici présent. Mesdames et Messieurs les journalistes qui me permettaient de m'adresser par-delà ces murs aux Polynésiennes et aux Polynésiens. Mesdames et Messieurs, chers amis de Polynésie française, à vous toutes et à vous tous ici présents dans cet hémicycle. Je souhaite vous faire part en premier lieu de l'émotion et de la joie qui sont les miennes d'être devant vous aujourd'hui. Notre première rencontre ici chez vous avait été, il vous l'avait dit, malheureusement écourtée par un événement douloureux. Je viens ici aujourd'hui respecter pleinement l'engagement que j'avais pris, venir sentir, battre le cœur, le pouls de tous les Outre-mer, de leurs institutions, de leurs hommes et femmes, et singulièrement de la Polynésie française. La Polynésie française vient de vivre un moment politique important, parfois tendu. Je ne sous-estime pas les tensions qu'il a pu laisser croître. C'est le jeu normal de la démocratie. Le charme, si j'ose dire, la figure du combat. L'ivresse de la victoire, l'amertume de la défaite, ici comme partout ailleurs. D'ailleurs, j'avais pris la précaution, ça n'a pas été apprécié par certains, de ne pas venir dans une période trop proche des élections. J'ai préféré venir à cette date-là. Pour autant, il n'est jamais bon. J'ai eu à le dire, et je le répète ici, que l'amertume de la défaite dure trop longtemps. Ni qu'elle s'exprime de façon permanente, voire virulente, et parfois inappropriée. Il doit y avoir un temps pour tout. Un temps pour la compétition électorale. Un temps pour l'apaisement. Et j'invite celles et ceux qui croient en certaines valeurs à retrouver l'Ecclésiaste. Mais une fois que le peuple a parlé, je demeure persuadé qu'il peut et qu'il doit y avoir un temps pour travailler sereinement, chacun dans son rôle, les uns aux responsabilités et les autres dans une opposition qui peut être responsable et constructive. C'est cela une démocratie apaisée,
où l'affrontement électoral n'est pas la division, où l'affrontement électoral n'empêche pas une capacité d'unité autour d'un intérêt supérieur du pays, à même de dépasser et de transcender même les clivages partisans. Et si chacun y pense au-delà des postures, il me semble que cela a été possible ici, dans un passé pas si lointain. Et je m'entends. Je suis en tout cas venu vous apporter un message clair, qui est la base même de mon engagement politique, que j'ai eu l'occasion de développer dans les autres Outre-mer, mais qui trouve ici une résonance particulière. Ce message, c'est que l'État est de retour. C'est le mandat que m'a confié le président de la République, c'est la feuille de route que m'a fixée le Premier ministre, c'est la conviction qui m'anime comme ministre. Que l'on ne se méprenne pas. Il ne s'agit pas d'un État qui serait, pesons les mots, néocolonial, passéiste, figé dans des schémas dépassés, qui chercherait à imposer ses vues à une collectivité aussi autonome que la Polynésie française. Je ne me sens pas non plus, Monsieur le Président, dans la posture d'un Père Noël, d'un Papa Noéra. Comme l'on dit ici même, même si l'image m'a fait sourire, même si elle se réfère très certainement à une attitude d'abord bienveillante, et même si la période peut s'y prêter, je ne voudrais pas prendre le risque de voir l'action de l'État, mal comprise, caricaturée d'une certaine ou d'une quelconque façon. Non. Après des années d'errements, de décisions qui ont pu vous laisser croire que la France, que l'État, que la communauté nationale se désintéressait de la Polynésie, il s'agit du retour d'un État impartial, mais actif, sur un territoire majeur et autonome. D'un État qui, enfin, est prêt à accompagner la Polynésie et tous nos compatriotes dans le chemin de son développement, hier comme aujourd'hui, mais qui aussi entend mettre en œuvre, dans un partenariat respectueux et équilibré, tous les outils et toutes les compétences qu'il détient encore pour contribuer à ce développement. Ce qui est en jeu, ce n'est pas un quelconque rapport de force à instaurer entre l'État et la Polynésie française, mais plutôt l'application pleine et entière des principes qui fondent notre communauté nationale, qui fondent le pacte républicain. Nos compatriotes polynésiens, comme tous leurs compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, ont leur part à prendre dans l'effort, parfois douloureux, de rétablissement de la France. Mais nos compatriotes polynésiens, comme tous leurs compatriotes ultramarins métropolitains, ont droit à l'attention de l'État et à la solidarité nationale. C'est cette assurance que je tiens à vous délivrer aujourd'hui. Vous n'êtes pas des Français de seconde zone, oubliés parce qu'à l'autre bout de la terre. Votre collectivité, la Polynésie française, ne souffrira pas d'un régime de défaveur. Comme les autres Outre-mer, la Polynésie est confrontée à des difficultés pérennes qui tiennent à sa géographie, à ses structures économiques et au temps présent. La crise économique qui n'est pas simplement française, mais qui est mondiale. À ce titre, comme tous les autres Outre-mer, elle a droit à l'attention spéciale de la République dans la résolution de cette difficulté. Car celle-ci appelle des solutions innovantes, différenciées. Le gouvernement que je représente aujourd'hui en est bien conscient. J'y reviendrai. C'est empreint de cette responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. L'action de l'État s'inscrit sous trois angles.
premièrement, renforcer ou rétablir les liens avec la Polynésie, avec ses institutions, son gouvernement, ses assemblées, ses collectivités, ses communes. Deuxièmement, aider à restaurer une confiance qui a été affectée depuis trop longtemps. Le gouvernement et moi plus particulièrement, qui suis un élu local, qui plus est ultramarin, a le plus grand respect pour le suffrage universel et n'entend pas, comme cela a pu être le cas par le passé, régler son action et ses principes en fonction de ses affinités ou hostilités électives. Vous êtes des élus, vous êtes légaux, si j'ose dire, et légitimes. Et donc, c'est à bon droit et c'est un devoir plus qu'une obligation que de travailler avec vous en parfaite harmonie. En effet, et c'est mon troisième point, le gouvernement entend appuyer la Polynésie française, l'accompagner dans ses projets, lui apporter, quand cela s'avère nécessaire, l'expertise de l'État, comme il l'a fait depuis l'été 2012. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs en lisant dans la presse qu'il y a un président d'un syndicat de promotion des communes qui aurait apparemment demandé des audiences au ministre que je suis et que j'aurais refusé. Je n'ai jamais refusé. On trouvera, si je dis, une fenêtre pour recevoir les élus. Mais j'ai cru comprendre que je priorisais l'Assemblée et le gouvernement. Ça me paraît un peu normal. Mais je ne refuse pas de recevoir les élus de la Polynésie. Mais comprenez, j'ai aussi un agenda qui est quelquefois lourd. Et c'est là aussi bien normal. Mais à l'occasion, si les choses sont demandées suffisamment à l'avance, eh bien, je me ferai un plaisir, surtout après l'accueil que j'ai reçu ici, je me ferai un devoir de recevoir des élus, démocratiquement élus, et qui demandent à entendre leur ministre. Par leur choix démocratique exprimé à l'occasion des élections territoriales, les Polynésiens ont rappelé aussi leur attachement à la République. Mais je n'ai jamais douté que cet attachement, partagé par une grande partie de la société civile polynésienne, était demeuré particulièrement fort. Cet attachement oblige l'État et la politique qu'il mène à un seul objectif, ne pas décevoir la confiance de nos compatriotes polynésiens dans le respect de leur diversité et des compétences de leurs institutions. En 2012, les dépenses de l'État pour la Polynésie française se sont élevées à 173 milliards de francs, 1 milliard 443 millions d'euros. Et depuis 18 mois, l'État a beaucoup fait dans le contexte difficile, dois-je le rappeler, qui est celui de nos finances publiques. Vous vous souvenez du déblocage fin 2012 de la dotation exceptionnelle de 6 milliards de francs, 50 millions d'euros, qui avait été votée par le Parlement, mais qui n'avait pas été déléguée à la Polynésie française pour des motifs sur lesquels je m'interroge encore, aujourd'hui encore. Il y a une situation urgente à traiter, mais il y a aussi une vision à long terme à développer. Et j'ai tenté de le faire tout au long de mes 3 jours de présence ici chez vous. Vous penserez bien sûr à l'avance de trésorerie remboursable de près de 5 milliards de francs, 41,9 millions d'euros. Une avance décidée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour aider le territoire à faire face aux difficultés auxquelles il est confronté, mais aussi pour créer les conditions de réussite du redressement structurel des finances publiques du pays, dont cette Assemblée et le gouvernement polynésien ont désormais la responsabilité. Il reste encore des modalités à régler, mais je vous le dis, l'offre de l'État est intacte. Et moyennant quelques finalisations, disons ça comme ça, nous pourrions très rapidement signer cet accord. C'est tout le sens des partenariats financiers que nous avons signés avec le pays dès mon arrivée mercredi, la prolongation d'1 an du contrat de projet
comporte pour 2014 des moyens accrus par rapport aux exercices précédents, plus 25 millions d'euros, donc 10% de plus qu'en 2013, des moyens qui seront affectés en priorité au logement social, avant d'engager une nouvelle réflexion pour la génération de contrats à venir, 2015-2020. Et je serais d'accord, messieurs les présidents, monsieur le président, aller au-delà sur un certain nombre de sujets. J'espère que j'aurai l'occasion de l'évoquer. La convention relative au troisième instrument financier représente quant à elle 51,3 millions d'euros engagés par an pour soutenir les investissements prioritaires, avec des améliorations significatives. Ces deux engagements forts de l'État sont des engagements concrets qui s'inscrivent, je le redis, dans un accompagnement durable. Ces décisions intervenues sous deux gouvernements polynésiens différents sont aussi le témoignage de ce que je vous indiquais à l'instant. Peu importe la couleur du gouvernement de la Polynésie française, seul compte le respect de la démocratie, le rétablissement du territoire, son développement et le bien-être de sa population. Plus encore, je vous le redis, il n'y aura pas de désengagement de l'État, pas d'abandon de nos concitoyens polynésiens par la France. L'État est un partenaire loyal, bienveillant, mais aussi un partenaire exigeant. Aussi, je n'oublie pas que la Polynésie, dans un contexte économique et social difficile, on l'oublie parfois, je l'avoue, à Paris, commencer d'engager une démarche de redressement économique après une année préélectorale qui, ici comme ailleurs, n'est jamais propice aux mesures délicates. Et certains devraient s'en souvenir. Trop souvent, je veux le dire ici, on aborde les problèmes de la Polynésie sous le seul angle budgétaire, financier, pour ne pas dire comptable et presque étroitement comptable. Ce prisme n'honore personne. Et je peux l'adresser au gouvernement qui est le mien. Il est occultant, car il empêche de prendre la mesure de l'importance de la Polynésie française pour la France, et j'allais dire pour elle-même. Son importance culturelle, son importance économique, son importance géostratégique, qui permet à la France d'être présente dans le grand bassin Pacifique. Et qui permet, et c'est ce que la République doit vous garantir, le rayonnement de votre pays. C'est pour cela que nous devons discuter de vos besoins, de vos demandes et de vos attentes autour d'une table, on a commencé, de façon régulière et suivie, et j'en suis demandeur, dans le même esprit qui nous a permis d'aboutir ces derniers jours sur nombre de dossiers complexes et engageants pour l'avenir. Ça prend du temps, je l'avoue. Et j'ai même demandé ce matin au président de tout faire pour que nous accélérions les calendriers. Car ce qui est essentiel, c'est de pouvoir créer ensemble les conditions d'un cadre de coopération et de partenariat renforcé de long terme, permettant à l'État d'accompagner la collectivité comme les communes dans la pleine exploitation du cadre statutaire actuel. Donner le meilleur du cadre statutaire, exploiter toutes ses potentialités, et c'est vrai donc, il faut peser, sous-peser, pluriannualiser les engagements réciproques des uns et des autres. Nous sommes demandeurs et preneurs d'un tel exercice. Vous avez fait une proposition de pacte, je demande à l'accélérer, je n'hésiterai pas à Paris à vous inviter à des réunions approfondies sur les grandes orientations pour arrêter dans un calendrier contraint les décisions qui méritent d'être prises et, je l'espère, le plus rapidement possible. C'est ce à quoi nous devons tendre ensemble. C'est une véritable stratégie de développement de long terme. L'État est disponible.
Si la Polynésie le souhaite, pour l'appuyer dans l'élaboration d'un cadre de coopération rénové avec le pays, en aidant techniquement le pays à définir des politiques de long terme dans les secteurs clés du devenir polynésien. L'éducation, l'aménagement du territoire, la recherche et l'innovation, mais aussi le logement social. Et je l'ai dit en insistant, ce n'était pas la demande, ce n'était pas la commande. L'avenir de tous les pays, et je suis ici chez vous, ce sont vos enfants. Et quand je dis ça, je m'adresse aussi, si j'ose dire, un constat qui est difficile, pour ne pas dire des critiques, l'éducation. Les résultats ici obtenus méritent d'être très sérieusement amélioré. Pour cela, il faut l'insérer, si j'ose dire, l'inclure dans une vision, si j'ose dire, de long terme, pluriannuelle, sur ce que nous attendons de l'éducation, de la formation, des qualifications, depuis le plus jeune âge. Les retards se prennent entre 0 et 3 ans. Donc, il faut une scolarisation précoce, une socialisation précoce. Pour cela, il faut des crèches, il faut des haltes garderies, il faut des maternelles. Il faut, oui, des collèges appropriés et en bon état. J'en suis conscient, et que l'État, là, a une responsabilité éminente. Discutons-en. Fixons-nous des objectifs. Ce n'est pas normal aujourd'hui, j'ai cru comprendre cela pour l'avoir lu et étudié, qu'il n'y a, me dit-on, que 23% d'une génération arrivant au baccalauréat, alors qu'on est déjà à près de 80%, rappelez-vous, un objectif qui avait été fixé par chevènement. C'est vieux. Et nous sommes ici à 23%. Il y a là une ardente obligation, comme dirait le général de Gaulle, à fixer des objectifs sur les 10 ans qui viennent, sur les 15 ans qui viennent. Mais même chose pour le secondaire, même chose pour le parcours universitaire, même chose pour la recherche et l'innovation. Et j'y serai tout à l'heure. Il y a là manifestement une ardente obligation et nous serions preneurs d'une telle une discussion d'une telle projection dans l'avenir. Un tel tournant dans les relations État-pays, seul à même d'assurer le développement durable et la prospérité du territoire, ne sera réalisable qu'à condition d'une volonté claire en ce sens de la collectivité et de la communauté, si j'ose dire scolaire, académique et universitaire, mais aussi plus généralement de la société civile. Parce que, et je me détache du texte, on aura beau faire, on aura beau trouver des moyens, c'est toujours des discussions difficiles. Il faut un plus là, il faut peut-être aller plus vite par-ci, il faut accélérer une convention par-là. Très bien. Il manquera toujours des moyens si on ne sait pas étaler les choses. Mais il faut un sursaut de la société civile. L'État, le gouvernement, l'Assemblée, disons au sens large, la société étatique, ne pourra jamais seule répondre à toutes les demandes et satisfaire à toutes les attentes. Il faut, là aussi, c'est un travail éminemment démocratique, un réveil de la société civile, du secteur privé notamment. Lorsqu'on se plaint qu'il y a absence de commandes publiques, ça peut être vrai selon la conjoncture. Mais est-ce que le relais peut être pris par la société civile? Quels moyens se donne-t-on? Quel environnement juridique, j'allais presque dire permettant, j'allais presque dire permissif pour le développement et l'épanouissement? C'est un travail et vous êtes, si j'ose dire, là au poste de commande. Et là, oui, l'État, en ingénierie, en moyens, en capacité de projection, peut vous accompagner sans pour autant vouloir, si j'ose dire, revenir par la fenêtre et penser à je ne sais quel néocolonialisme. Je vois ici les cris d'orfraie qui pourraient être prononcés et on en est bien loin. On a simplement ici le devoir de mettre plus qu'à parité, à égalité les Français que vous êtes. Et donc, lorsqu'on constate un tel différentiel, un tel écart, notamment dans un domaine stratégique qu'est l'éducation, nous avons le devoir d'agir. Et donc, nous sommes ouverts. Il ne s'agit pas, je le répète sous d'autres termes, en revenant au texte, de demander au pays de revenir sur des compétences qui sont les siennes. Mais bien plutôt de lui fournir un appui technique à la définition de politiques publiques
dans la durée, à ce titre. À ce titre, si l'État continuera à vous accompagner dans les domaines qui relèvent de la compétence du pays, il ne restera pas inactif dans les domaines qui relèvent de ses compétences. Ainsi, la loi portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer, promulguée le 15 novembre dernier, prévoit en son article 17 un mécanisme permettant d'aboutir à une modération des tarifs bancaires en Polynésie française. J'ai donné instruction au commissaire de se préparer aux négociations à venir. En effet, le gouvernement entend privilégier dans un premier temps des négociations ouvertes sous l'égide du représentant de l'État sur la base d'un constat et d'une analyse d'objectifs faits par l'IEOM afin de parvenir à un accord de modération des tarifs bancaires. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'État prendra toutes ses responsabilités en cas de défaillance de la négociation. Parce que nous estimons que les tarifs sont trop élevés et que peut-être l'accord de modération n'ira pas assez loin. Donc on a donné des pouvoirs, augmentés, supplémentaires au commissaire pour trancher après un temps suffisant négociation. Beaucoup des dispositions de la loi portant régulation économique dans les Outre-mer que j'ai porté fin 2012, si ce n'est la plupart, ne sont pas applicables en Polynésie française, parce qu'elles relèvent de compétences qui sont les vôtres. Il vous appartient, si vous le jugez utile, de transposer dans votre réglementation celles des dispositions de la loi que vous jugez adaptées à la résolution des problèmes de vie chère auxquels le pays est confronté. Je note avec quelques satisfactions que la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays transposant la plupart des dispositions de la loi qui permettent de lutter contre les monopoles, de limiter les dysfonctionnements des marchés de gros et des marchés d'acheminement, bref, d'introduire enfin de la concurrence dans des territoires marqués par une économie, comme on le qualifiait à l'époque, de comptoir. En tout cas, les îles que nous sommes, et mieux encore, les archipels que nous sommes, et c'est votre réalité géographique, mais donc économique. Le régime des économies insulaires et en plus archipélique est différent et il faut en prendre toute la mesure. Et la concurrence s'exerce autrement sur des marchés, des économies aux marchés peu étendus, où la loi des séries ne joue pas forcément, où très souvent c'est sur le coût marginal des produits faits en métropole, expédiés ici et qui cassent tout. Et donc il faut là une réflexion, si j'ose dire, appropriée, pertinente et adaptée à vos réalités. Je pense que oui, cette réflexion-là est possible. Et d'ailleurs, en rencontrant les socioprofessionnels, j'ai eu quelque peu à insister sur cet aspect-là. Je vous souhaite bien du courage, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée, parce que c'est peut-être les choses les plus difficiles. Les questions idéologiques, c'est très bien et ça fait plaisir, surtout à ceux qui parlent et qui s'écoutent parler. Mais les questions économiques, s'affronter au lobby, tenter d'avoir une concurrence plus transparente, un fonctionnement régulier du marché, tenter de faire baisser les prix, c'est l'honneur de la politique. Répondre aux besoins des gens, à leur donner un savoir, des écoles qui marchent, un emploi, de leur donner un logement, d'avoir un accès égal aux soins, un environnement préservé et des loisirs accessibles à tous, c'est l'honneur de la politique. Et j'allais dire au quotidien, ce n'est pas ravaler la politique à de la gestion, c'est l'honneur de la politique et je crois savoir, c'est ce que vous faites ici. Cette loi du pays, de la Nouvelle-Calédonie, nous a vraiment intéressés. Parce que rappelez-vous, lorsque le Parlement a adopté cette loi, certains juristes n'ont pas hésité à écrire. C'est une novation dans la législation de la concurrence, dans le droit économique et en particulier celui de la concurrence, que cette loi serait inconstitutionnelle.
la loi qui a été, du pays qui a été prise en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel l'a validée intégralement. Je peux vous dire, ça nous intéresse en métropole, notamment sur ce qu'on appelle les injonctions structurelles. Et hier, à la résidence, j'ai reçu de Paris un avis que l'autorité de la concurrence vient d'émettre sur Saint-Barthélemy, mais qui intéresse en droit sur la notion de concentration économique. Lorsque vous dépassez une part, un pourcentage du marché, des parts de marché. Et donc, aujourd'hui, la loi, si j'ose dire, est mieux fondée, en tout cas bien adossée. Et donc, si ça devait pouvoir s'adapter aux réalités économiques, sociales et notamment archipéliques qui sont les vôtres, peut-être que vous seriez là plus assuré de ne pas encourir je ne sais quelle censure. Mais il faudra affronter un certain nombre de choses, notamment avec vos socioprofessionnels. J'ai eu à le faire, à l'endurer, puisque certains n'ont pas hésité à me qualifier de bolchevique, de marxiste, s'abattant sur les pauvres opérateurs. Voilà, et donc on me disait au mépris du droit. Aujourd'hui, l'affaire est fondée. Les sages, si j'ose dire, ont clos le débat. Donc, si vous le voulez, je vous le suggère, c'est à vous de jouer. Mais j'ai cru comprendre, si je suis en train d'insister sur cette affaire-là, peut-être qu'il ne fait pas encore débat entre vous, mais j'ai cru comprendre que le gouvernement s'apprêtait à préparer une loi en matière de concurrence, de développement économique, de transparence des marchés, peut-être de formation des prix. Je n'ai pas l'habitude d'éluder les questions. Je tiens à aborder un dernier point. Lors de sa séance du jeudi 30 mai 2013, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté une proposition de résolution demandant au président de la République de bien vouloir mettre en œuvre la procédure d'autodétermination et de consulter le peuple polynésien en organisant le référendum prévu à l'article 53 de la Constitution. Je suis intimement persuadé que dans la situation économique et sociale actuelle de la Polynésie française, une telle consultation ne permettra pas de régler durablement, durablement, la question de l'avenir du territoire, si tant est qu'elle se pose en ces termes. Mais on reste attentif jusqu'à présent. L'État n'a pas voulu entrer dans le débat institutionnel alors que beaucoup ici l'y incitaient. Ce positionnement était pleinement justifié par la nécessaire impartialité de l'État lors de la campagne pour les dernières élections territoriales. Il doit désormais être clarifié. Le gouvernement a pris acte de la résolution du 17 mai 2013 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, dans les conditions que nous savons. Il n'y a pas eu un vote formel, il y a eu une adoption telle que ça a été présenté. La France a tenu une position. Les Polynésiens se sont exprimés clairement lors des élections territoriales du 5 mai 2013. Aussi, la France refuse-t-elle de s'inscrire dans un processus international de décolonisation, marquant à cet égard le respect qu'elle porte au choix qui vient d'être démocratiquement exprimé par les Polynésiens. Comme le président de la République l'a rappelé, avant et après son élection, l'indépendance de la Polynésie française n'est pas la solution au problème que rencontre ce territoire. En tout état de cause, la problématique institutionnelle ne peut ici comme ailleurs, en elle-même, suffire à traiter les questions politiques, économiques, sociales, sociétale auquel une société ultramarine est confrontée.
Ce qui importe avant toute chose pour relever les défis auxquels est confrontée la Polynésie, c'est que les forces vives de la société œuvrent à l'élaboration d'une véritable stratégie pays de long terme fondée sur un consensus suffisant pour que tous les Polynésiens se l'approprient. Le gouvernement est dans ce cadre prêt à envisager toutes les évolutions souhaitables. J'ai cru comprendre la demande qui a été formulée sur une évaluation de la loi organique et de son application, y compris en matière institutionnelle, quelle qu'en soit la nature, dès lors qu'elle résulterait d'un consensus sur le plan local. Vous savez, c'est Césaire qui disait « un pas devant le peuple, jamais deux ». L'avant-gardisme, très bien, mais point trop n'en faut. Lorsque vous vous retournez, vous croyez que le peuple est là, le peuple n'est pas là. Et donc, oui, il ne faut pas être dans le suivisme, mais en même temps savoir dans un dialogue et dans une dialectique entretenue entre les états-majors, entre les formations politiques et la population, la société civile, voir comment faire pour travailler au progrès. Le gouvernement sait entendre les attentes des Polynésiens, comme cette nuit, lors de l'examen de la loi de programmation militaire, le gouvernement a déposé et défendu un amendement étendant à toute la Polynésie la possibilité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires. Et cet amendement a été adopté à l'unanimité. Par cette extension, comme le disait mon collègue Jean-Yves Le Drian, la France manifeste sa reconnaissance de la contribution de la Polynésie au maintien de son rôle et de sa place dans le monde. Et mieux encore, la France reconnaît, au-delà de ce qu'on dit en thème matérialiste, la dette nucléaire, une dette morale à l'égard de la Polynésie française. Mesdames et messieurs les élus, je conclurai mon propos en vous renouvelant mes remerciements pour l'accueil que vous et au-delà de vous, la Polynésie française, m'avez réservé. Et je viens d'entendre le président Friche dans les mots qui m'ont touché. C'est vrai qu'ici, je ne peux plus désormais oublier la Nouvelle-Calédonie. En arrivant, la Polynésie française, en arrivant ici chez vous, j'apprenais le décès de ma mère. Alors que à Los Angeles, on me disait, elle est très bien, elle a récupéré, tu retrouveras ta mère à ton retour. Donc, je n'ai pas gardé mauvais souvenirs. Chaque fois que je pense à elle, je pense à la Polynésie française, dans des termes que je peux vous assurer qui sont de bon aloi. En tout cas, j'ai été sensible à l'accueil. Nous avons des différences, manifestement. Mais je me suis fait un devoir, en étant ministre, pour avoir moi-même souffert de cela. J'ai été 10 ans dans l'opposition. Bien sûr, j'étais plus jeune, j'avais les cheveux tout noirs. J'étais plus flamboyant, disons ça comme ça, hein, même si le mot est connoté. Je n'avais jamais été reçu dans un ministère. Et lorsqu'on a bien voulu m'admettre au ministère des Outre-mer, ça a duré à peine 10 minutes. La ministre s'est levée et m'a mis dehors. Je ne veux pas que ça arrive à un élu, et je présente des excuses au maire qui prétend que je ne l'ai pas reçu. Chaque fois que je le pourrai, je recevrai les élus, quelle que soit leur obédience politique, dès qu'ils sont élus démocratiquement, je respecte. Et le gouvernement respecte, le président de la République respecte. Et il a dit dans une réunion publique à l'Élysée, je sais ce que je dois aux Outre-mer. Alors j'entends que beaucoup ont aidé à l'élection du président. Beaucoup, bien sûr. On est reconnaissant à tous et pour tous. Mais il y a parfois certains soutiens qui sont pesants. Je sais la qualité des hommes et des femmes que porte cette terre. Je sais leur amour pour cette terre. Et c'est confiant leur capacité à trouver ensemble le chemin du redressement et du développement que j'ai abordé cette première vraie rencontre avec la Polynésie française. Première vraie rencontre, je le dirai en confiance. Merci à vous. Merci pour l'attention.